Yo, je suis Charlotte de la chaîne YouTube et du site Je suis Modeste et je vous propose plein d'alternatives pour consommer mieux en famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démêler des cheveux crépus très simplement, de façon très efficace, même quand il y a des nœuds, même quand ils sont secs, etc. On démarre tout de suite avec le premier conseil. Je vous invite à vous équiper d'un vaporisateur d'eau minérale ou de l'hydrolat de votre choix et vaporiser sur l'ensemble de la chevelure. Ensuite, équipez-vous d'un beurre végétal, votre beurre végétal préféré, ou alors d'une de mes recettes, que je vous laisse en barre de description. On a apporté de l'hydratation grâce à l'eau ou un hydrolat, de la nutrition grâce à un beurre végétal, les cheveux sont plus malléables maintenant. On va pouvoir séparer la chevelure en plusieurs parties, je vous invite vraiment à en faire un maximum. N'hésitez pas à en faire 4 minimum et ça peut aller jusqu'à 10 par exemple. Quelque chose que je trouve pratique, et qui me concerne uniquement, je commence toujours par les cheveux qui sont près de la nuque et je vais remonter vers les cheveux qui se rapprochent du front. Donc après avoir sélectionné une petite partie, je vais commencer à démêler avec une brosse de mon choix, celle que je préfère, en commençant par le bout, par les pointes, et je remonte petit à petit vers les racines. Les cheveux sont bien démêlés, je vais pouvoir faire une vanille pour garder les cheveux tout simplement démêlés et bien malléables. Si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, je vous laisse la vidéo tutoriel en barre de description. Sans pleurs, sans cris, sans casse, voilà comment démêler les cheveux tout en douceur sur les cheveux des enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer des nouvelles idées de vidéos. Je vous invite également à découvrir d'autres vidéos sur cette chaîne ou bien sur jesuismodeste.fr à découvrir d'autres alternatives au naturel. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao les modestes!